Vas-y, go. Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne. Donc aujourd'hui je suis tout seul, Julien, mal. Eh non, je suis ici. Pas mal. Donc du coup aujourd'hui vidéo sur le Cayenne. Donc moi je l'ai payé 6 300. Donc bon, on va faire le tour. Et t'as acheté ça où du coup? Je l'ai acheté à la frontière de la Belgique. Ok. Ça fait 2 ans en fait. Donc, et t'as fait quoi dessus? J'ai fait quoi dessus? Enfin pourquoi tu l'as acheté 6 300 déjà? Parce qu'il y avait des trucs à faire dessus en fait. Et alors qu'est-ce qu'il y avait à faire dessus? Donc en fait le pare-brise était cassé, donc ça c'est une bricole, c'est rien. Après il y avait le feu arrière qui était pété. Ouais. Donc moi je voulais des feux à LED pour mettre dessus parce que j'aime pas les feux des Cayennes en face une. Du coup moi j'ai mis des feux à LED. Je trouve ça plus sympa en fait, ça fait plus récent. Et petite histoire sur un des feux là. Exactement celui-là. Non, ça sera coupé au montage. Je me suis planté avec la voiture à gérer. Le A3. Le A3 qu'il a justement. Et justement, j'étais dans le fossé, Jérémy m'a tiré avec le Cayenne. Et résultat du compte, ce qui s'est passé, c'est que quand il m'a sorti... Sans problème, parce que le V8... Ça a tiré, ça, pour vous dire que ça a tiré. Mais quand je suis sorti, j'ai pensé que la voiture était stabilisée. Et en fait, non, pas du tout, elle a reculé, elle a tapé dans le derrière. Quoi. Du coup, il m'a pété en feu. Donc, éclaté le derrière du Cayenne. Du coup, j'étais content. Parce qu'il m'avait pété le A3 aussi. Histoire qui m'a coûté très cher. Les jantes d'origine, comment ils étaient quoi? Bah les jantes d'origine, c'était pas belle. Ils étaient 19 pouces avec les deux pneus avant qui étaient morts. Ouais. J'ai mis du 22 direct. Je trouve ça plus joli en fait, avec les 4 pneus. C'est vrai que ça lui donne plus de gueule comme ça maintenant. Par contre, ça consomme plus. Ouais, c'est sûr. Et ça, c'est moins drôle. Ce qui serait bien dessus, c'est des amortisseurs sport quand même. Ça fait un moment que je te casse les couilles avec ça, mais... C'est vrai que des amortisseurs sport dessus, ils seront peut-être mieux. Peut-être plus rigides, mais... Niveau tenue, à mon avis, ça risque de... Ça peut. Quand tu vois ce qu'on fait là avec depuis tout à l'heure... Ouais, vous aurez cette petite partie-là. Il y avait les plaquettes qui étaient à changer à l'avant, mais l'ancien propriétaire m'a donné avec. Il y avait les vérins de coffre qui étaient à changer aussi. Après, vidange de boîte, vidange moteur, pont avant, pont arrière et boîte de transfert qui était à faire. Ouais, t'as un peu tout fait quoi dessus. Il y avait quoi d'autre? D'où le prix 6 300 quoi. C'est ça. Bah, il est en covering en fait, il y a un covering mat dessus. En dessous, il est en covering. Non, en dessous, c'est une peinture. Une peinture noire brillante en fait. Qui est vraiment à refaire en fait. Ouais, il est pas. Parce que il là, pas on le voit pas, mais en fait. Ici, là, ouais, là, ouais, il y a la putain de rayure de merde. Là, on avait refait le haillon aussi derrière. Il est pas ouf. Enfin, là, il est dégueulasse, mais on vous le refera une petite vidéo dessus le jour où il sera propre. Là, on avait refait le haillon aussi. Covering qui se... Ouais, c'est pas top. Qui se déboîte un peu. Il mérite une peinture complète en vrai. Ouais. Le toit, il est en covering carbone. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ça, j'avais zappé ça. Ça se voit pas vraiment. Je sais pas si on verra bien, mais... Et après, bah, j'ai changé l'autoradio. J'ai mis un autoradio, une tactile. Et j'ai mis des logos Porsche. Ça, j'ai fait des Porsche. Je sais pas si on verra bien, hein. Ça se voit? Si, ouais, on voit bien. Super. Impec. La nuit, on voit mieux, quoi. Ah oui, c'est clair. Et puis, il a l'éthanol, en fait. Le mec, il a mis un boîtier éthanol dessus. Ouais, il a été reprogrammé. Boîtier éthanol. Du coup, le plein? Le plein, ça va. Avec l'augmentation de l'e... Bah là, c'est 400 bornes de plein pour faire entre 400 et 500 bornes maxi, en fait. Ça va? Je vais montrer la console sur le... Bah après là tu viens de faire le con avec donc Ouais bah ouais là oui c'est sûr. Il a dû augmenter ça. Mais oui c'est tout seul. Mais c'est marrant, le petit bruit du V8, moi j'aime bien. Du coup, et quand je l'ai acheté il avait 211 000 km. Et là il a 221 000 km. Ouais ça fait J'ai mis 10 000 en fait. 10 000 en 2 ans. Ouais. Ça va. Je roule pas beaucoup avec en fait. Comment on fait déjà? Merci. Bah après quand on est riche comme toi. Riche comme moi, ouais. Quand on a 3 voitures. 4 s'il te plaît. Regarde. Alors là je suis à 23 litres 8. 23 litres 8 au 100. À l'éthanol du coup. Et puis j'ai les jantes en 22 pouces donc ça consomme plus quoi. Ouais donc. Ouais. Puis là t'as un peu fait le con aussi avec. Hein. Ouais un petit peu. Sinon d'habitude t'as combien? En moyenne. En moyenne, en sans forcer quoi. Allez, 20 litres. 20 litres et quand tu tires vraiment dessus, t'es à 26 litres quoi. Ouais donc. Encore faut bien se faire plaisir. Ouais c'est sûr. Donc ouais j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Si on peut faire écouter le bruit du V8. Ah si, il y a un bypass. J'ai mis un bypass dans le silencieux. Vas-y allume. Comme une suppression de silencieux.
mais ça donne bien. C'est vrai que le bypass, c'est assez cool là-dessus. Et c'est tout ce que j'ai fait en fait pour l'instant. Ouais, mais c'est pas mal déjà. Et tu projettes de faire quoi dessus? Bah, j'ai envie une petite peinture complète en vrai. Le remettre en noir brillant. Ouais. Et peut-être les suspensions sport du coup en l'occurrence. Ouais, c'est vrai. Tu verras, tu regretteras pas. C'est sûr. Ça fait un moment que je te le dis, mais tu regretteras pas. Mais j'ai d'autres projets dans la tête, tu sais de quoi on parle. Moi, je le savais, c'est mais... Ouais, c'est sûr. Il y aura d'autres projets justement sur cette chaîne. Il y aura d'autres projets, d'autres délires. Il y a mon 530 aussi qu'il faudra qu'on. Il y a mon 530 aussi qu'il faudra qu'on vous présente. Et vraiment en détail, tout ce qu'il faudra que je fasse dessus, tout ce qu'il faudra qu'on fasse dessus, tout ce que vous aiderez peut-être qu'on fasse dessus. Nous, on a 2-3 petits délires. Bah, dites-le dans les commentaires hein, si vous vraiment vous pensez que qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus en fait. Bah, ça pourrait nous aider en fait. Même sur nos véhicules, après on vous montrera, il y a les autres aussi véhicules, donc on vous montrera tout ça. Donc sur tout ça, bah, on va vous laisser sur quelques images du Cayenne, intérieur, extérieur, légende. En drift, en partant, en T'es sérieux? Et tu sais que je voyais pas ça à la caméra, moi, de loin. Ah, moi, je le voyais. Non! En fait, là, mec, on aurait présenté ton Cayenne, on l'aurait explosé le jour même. Non! Attends, mais... la photo de miniature, Julien. Eh, mais tu sais... Eh, mais il y a 2 cm, là. Oh, mais il y a même pas 2 cm, là, mec. Je passe même pas mes doigts. Je passe même pas... Il y a quoi? Il y a 1 cm? Mais non! Mais de loin, tu sais qu'on voyait pas ça. Ah, moi, je l'ai vu arriver, je me suis dit, je vais le taper. Oh! Ah ouais, mais là, c'était joli, là. Ça sera la photo de miniature. Parce que juste avant, en fait, comme il y a ma femme qui est juste à côté de moi, en fait, bah, ma femme a cru qu'elle allait se faire écraser. Non, t'inquiète, mais non! Eh, mais de loin,